Bonjour tout le monde. Bienvenue à un autre épisode de Du coq à l'âme. Je m'appelle Francine. Mon but aujourd'hui, comme tous les jours auparavant et les prochains, de vous rendre au moins la moitié heureux comme moi je le suis quand je peins. Alors, je vous avais annoncé lors de du dernier épisode qu'on allait faire des fonds. On va pratiquer un fond particulier ce matin, ou ce midi, ou ce soir, comme vous voudrez. On va le faire avec de la colle chaude, celui-là. Donc, je vous fais la démonstration sur un panneau de bois, parce que c'est tout ce que j'avais sous la main, mais on va faire le projet sur une toile. Et les deux se font très bien, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'avais expliqué lors du plus récent épisode, quand on travaille sur du bois, on lui donne un petit coup de papier sablé, on donne un coup de... pas un coup, mais une couche de sceleux, de scellant. Des fois, on peut ressabler un tout petit peu et puis ça enlève le petit duvet. Puis c'est prêt à travailler. Donc, pour les besoins de la cause aujourd'hui, j'utilise la colle chaude et vous allez voir que c'est assez plaisant. On va se faire des gouttes comme ça. Et je vais y aller en rond. Ça, vous pouvez le faire à plat aussi. C'est le fun de le faire quand on est à la verticale comme ça parce que la goutte coule. On pourrait faire une scène de pluie avec ça. Tiens, on va dire que c'est suffisant. Il me parlait. Fait qu'on met ça de côté. La magie de la télé, c'est que j'en avais déjà une sur une toile. Ça ne coulera pas par terre. J'en avais déjà préparé une sur une toile... Toile-galerie, que je trouve bien, bien le fun à travailler parce qu'on n'a pas besoin d'encadrement du tout. On va se faire une toile, je l'appelle méditation. C'est une toile qui va être dans des couleurs très, très, très douces, très calmes. Là, je suis en train d'enlever les petits filets de colle qui étaient restés parce que il en reste tout le temps, mais c'est pas plus grave que ça. S'il y en a, ça va juste faire de la... Bon, de quel côté je veux ma toile maintenant? Comme ça. Alors, on va travailler dans des teintes qui inspirent le calme, dans des teintes de bleu, mauve, rose... Ça, j'enlève le bouchon parce que je sais qu'il n'en reste pas une tonne dedans. Et je vous ai montré l'autre fois. Il n'y a rien de tel comme de le répéter. On ouvre le bouchon. On pousse la peinture. Ça vous permet en même temps de voir que ma table tremble. Bon, j'ai ça. Ça aussi, il n'en reste pas une tonne. Vous voyez, celui-là, il est plus foncé que l'autre. Et là, aujourd'hui, on va travailler... On va travailler pas propre. Essuyez ça avant de faire d'autres gaffes. Bon, ça, c'est le tube qui était passé au bloc opératoire quand on a fait la scène d'entre chien et loup. Fait que vous voyez, ça fait quoi, 2 semaines, hein, puis la peinture est encore bonne. On va se mettre un petit peu de rose.
Et un autre petit peu de rose, mais plus foncé celui-là. Il y a des couleurs qui sont plus timides que d'autres. Tiens. Voilà. Bon. Là, je vais me rajouter un petit peu de celle-là. Ces couleurs-là, qui viennent du magasin à 1$ ou ailleurs, parce qu'il y en a, ça c'est du DecoArt, mais il y a du Americana aussi, puis du... une autre sorte dont j'oublie le nom, là, mais ils ont besoin d'être brassés un peu parce que les pigments se ramassent dans le fond. Fait qu'on va mettre ça là. Je vais venir en prendre un peu. Avec ça, je viens en chercher avec la spatule. On va se mettre ça ici. Vous voyez, lui, il est beaucoup plus foncé. On commence à être épais un petit peu, là. On met plus d'eau sur le pinceau dans ce temps-là. Tiens. On est prêt à décoller ça. Ça veut dire pas décoller. On garde notre colle. De préférence. Fait qu'on va partir avec... on va se faire un beau rond blanc dans le milieu. Là, quand je parle de rond, il n'y a personne qui prend les mesures à savoir si c'est vraiment rond. Fait qu'on se met du blanc. Et là, on va voir les détails. Et finalement, les filets, ça fait pas si beau ça. Bon, vous allez voir apparaître la colle, vous allez la voir disparaître, puis elle va réapparaître en fin de tableau. Et là, je viens mettre un petit peu de rose. Puis là, on va travailler en cercle. Je mets un peu de rose plus foncé avec du bleu. Puis là, j'ai choisi ces couleurs-là, mais libre à vous de choisir les couleurs à votre goût. Là, j'ai mis de la peinture comme si j'avais une toile de 3 pieds par 3 pieds. Hein. Tiens. Là, on va venir se prendre un petit peu de ce mauve-là. Là, j'ai rajouté un petit peu de blanc dedans parce que je le trouvais un peu foncé, là. Puis là, ça n'a pas besoin d'être égal du tout. Dans le sens qu'il ne faut pas que votre rond soit concentrique tout le temps. Là, Puis là je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je fais attention pour ne pas salir mon blanc. C'est dans mes rares habitudes. Là, je vais venir piger un petit peu là. Là, je fonce tout le temps. Ça va devenir beaucoup plus foncé que ça, là, en bout de ligne. Là. Je commence plus pâle, puis... Tiens. Là, je mets plus de blanc. Je l'appelle ma toile de méditation parce que elle est, je trouve qu'elle fait vraiment mollo. Elle fait repos. Puis là, ben nécessairement, on va venir finir les côtés. On fait attention pour bien cacher le pli. Et comme d'habitude, le dessous de la toile va être fini après.
Puis, gênez-vous pas pour en mettre. Regarde-toi, là. Ici, là, il restait du blanc. Gênez-vous pas pour en mettre même un petit peu en arrière. Je vais vous donner un exemple en tirant la toile un petit peu, là. Ça, c'est de la peinture. Là, il y avait déjà de l'autre. Ça, c'est de la peinture de moindre qualité. Vous voyez l'effet? Ça, c'est de la peinture de bonne qualité qui cache du premier coup. Fait qu'en mélangeant les deux, vu que j'avais pas cette couleur-là dans mes tubes. Fait que des fois, ça vaut la peine de payer 4-5$ ou 5-6$ un tube de peinture plutôt que 2$. En bout de ligne, ça revient au même prix. Puis, ben vous aurez peinturé moins longtemps. Quoique, si peindre me rend heureuse, je peux bien peindre plus longtemps. Bon, mes côtés sont faits. Tiens. Fait que là, je continue ma promenade tourniquette. Je vais mettre un petit peu de bleu là-dedans. Bon, fait que quand notre tour est quand la première couche est faite comme ça, c'est là qu'on commence à s'amuser. Là, on va toujours travailler en rond comme ça. Je vais juste laver mon pinceau parce que je voudrais retourner dans le blanc. Ça se peut que ce soit plus ou moins possible. Parce que ces couleurs-là sont faites avec du rouge. On va s'essayer. Puis si ça ne marche pas, on va prendre l'autre pinceau. Fait que là, tout ce qu'on fait, c'est ça. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Puis ça, vous pouvez le faire dans n'importe quelle autre couleur, là. Ça fait un beau petit bruit de fond avec la colle. Bon. Ça ici, je laisse ça comme ça, même si c'est pas à mon goût tout de suite. On va venir retoucher le blanc par après. Là, vous voyez que je marie mes couleurs, là. L'important, c'est d'y aller avec des coups assez francs pour pas qu'il reste de... pour qu'il reste de coups de pinceau. Puis là où il y a de la colle, bien, vous allez voir que... ou bien vous le cachez complètement. Moi, j'aime bien laisser transparaître un petit peu l'effet imprécis, non? Tu sais, comme ici, non? Le fond était beaucoup plus pâle.
Puis là, en passant mon pinceau, au lieu de le passer comme ça, en le passant comme de cette façon-là, ben ça vient surélever le motif, on dirait. Puis tantôt, on va y donner un autre aspect. Le chevalet en shake. Ça, c'est beaucoup. Regarde ici. On voit vraiment la démarcation de la colle. Bon, fait que là, on est allé de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, on va faire l'inverse. Fait que le blanc du milieu, là, il ne restera pas nécessairement blanc. Fait que là, je viens pâlir un peu. Toujours en donnant des... Bon, ça, je trouve que c'est trop, là. Toujours en donnant des longs mouvements souples. Je vais mouiller mon pinceau un petit peu. Là, je vais venir pâlir une petite affaire. Une petite affaire trop. Tiens. Là, on s'en vient dans le centre avec ça. Donc là, dans le centre, je vais venir y mettre un petit peu de rose. Ça, c'est la partie la plus délicate. C'est le blanc, c'est tout le temps un peu plus difficile à marier. Je ne sais pas pourquoi les robes de mariée sont blanches, là. Tout le temps un peu plus difficile à marier avec les autres couleurs. Particulièrement avec du rouge quand on ne veut pas de rose. Ça pourrait faire, disons qu'on n'aurait pas mis de colle ou peu importe, là, ça pourrait nous faire un fond, juste ça. Moi, j'aime ça avoir des fonds d'avance. Maintenant, on a un sujet à peindre, puis oh, c'est un éclair de génie, là. Ça arrive n'importe quand, pas souvent, mais n'importe quand. Puis, on se dit, il me semble que ça serait beau sur un fond telle couleur. Sans mettre de colle chaude, c'est ça, on y va avec... Moi, j'ai un petit peu de blanc dans le pinceau, là. On y va avec un fond qu'on a préparé d'avance. Tu sais, quand on a un fond de palette, là, comme tantôt... pas tantôt, mais... Les épisodes précédents, souvent, il me reste de la peinture sur ma palette. Puis comme j'ai tendance à être assez généreuse, bien, il en reste autant beaucoup. Fait que c'est le fun de se faire des fonds avec ça en mélangeant toutes ces couleurs-là. Puis ça, il y a toutes sortes de techniques pour les faire, là. On s'en fera un de temps en temps. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est du... C'est un 2-pour-1. Vous allez pouvoir profiter d'un fond que j'avais déjà fait. Bon, fait qu'on va venir radoucir ça encore un peu. Je vais changer de pinceau parce que lui, je vais avoir de la misère à le laver sans aller à l'évier, non? Je vais en prendre un qui est propre. On va se rajouter juste un tout petit peu de blanc. Ici. Puis là, je vais y aller par petits coups. Tantôt, j'y allais par grands coups.
Hein? Puis là, je vois ici qu'on voit un coup de pinceau, là. On va corriger ça. On corrige toujours, il faut corriger toujours plus grand que l'erreur. C'est-à-dire que là, si j'avais essayé de mettre un petit peu de la bonne couleur dessus, je ne suis pas sûre que ça aurait été une réussite. Fait que là, tu vois, je travaille avec ce pinceau-là qui a du mauve, puis du rose, puis du bleu, puis toutes sortes d'affaires dessus. Puis là, il faut travailler quand même relativement rapidement parce que on travaille à l'acrylique. À l'huile, on pourrait travailler toute la journée dessus, hein? Mais là, c'est pas le cas. Le centre, on le veut pas parfaitement blanc. Et vous allez comprendre tantôt pourquoi. Parce qu'on va remettre du blanc là-dessus. Là. Bon, moi, j'aimerais que ce soit un petit peu plus bas ici. Et qu'on va juste y faire un toupette. Parce que ça ressemble quasiment à ça, hein? Là, la colle, bon, je suis d'accord, là, elle est apparente un petit peu. Mais moi, je veux avoir ça un peu plus apparent. Fait que là, j'ai pris un pinceau éventail à poils raides. Je le charge. Je m'assure qu'il n'y a pas de boule de peinture, de goutte de peinture qui reste dans le pinceau. Fait que là, j'ai un pinceau qui est bien plat. Je vais le tenir fort, mais je fais juste venir déposer. J'ai trop de peinture. Un tout petit peu de peinture comme ça sur la colle. Ça, cette toile-là, là, c'est beau quand on les fait grandes. Là, je vais aller juste essuyer parce que, étant donné que ça se fait bien, pour vous faciliter la tâche à la maison, faites-le quand votre fond est sec. Là, pour les besoins de l'épisode, on va le faire. Je fais juste passer comme ça. Si c'était sec, là, je pourrais me permettre de faire les mouvements un peu plus grands. Bon, fait que là, j'ai du mauve tout plein sur ce côté-là du pinceau, mais il n'y a rien qui m'empêche de me servir de l'autre. On enlève le mauve, on se remet du blanc. Toujours vérifier s'il n'y a pas de quantité de peinture indésirable. Fait que la colle chaude aura servi à ça. Maintenant, connaissez-vous le truc de la brosse à dents? Bon. Ici, moi, j'ai un tapis par terre qui protège le plancher. Fait que je vais me permettre de le faire. Par contre, à la maison, je vous dirais, mettez-le à plat. Ça va être plus simple. On peut... Ah, ça marche quand même. Il va en avoir un peu partout sur le tapis. L'important, c'est... Non, ça va. Fait qu'avec la brosse à dents, ce qu'on peut faire, c'est le... Il faut vraiment que ce soit à plat, par contre. Là. On vient enlever... disons qu'on se rend le doigt bien blanc pour mettre... Ça fait aussi pour faire de la neige.
Mais là, on va dire que c'est des... Il y en a été un petit peu chez le voisin. Vous devez en avoir passé. En tout cas, moi, j'en ai. Chose qu'on peut faire aussi. J'avais donné un atelier de peinture de Noël. Puis il y avait comme possiblement de participants cette fois-là. Fait que je pouvais pas toutes les avoir à l'œil. Heureusement, c'était chez nous, non? Il y en a une qui avait décidé de faire sa neige comme ça. Mais c'était une grande toile. Fait que le mur, qui jadis avait été d'une autre couleur, s'est ramassé. Bon, regarde, là, on va faire les choses. Ça a-t-il du bon sens comme ça, monsieur le caméraman? Mon Dieu, qu'ils sont fins. Ils disent quasiment tout le temps oui. Je vais venir diluer ma peinture puis en mettre comme ça. Et voilà. Chez moi, j'ai plein... Attends, on va se faire une coupe d'étoiles filantes au travers de ça. J'ai plein de petites pierres, de cailloux de verre, du verre poli par la mer. Ça fait très, très joli là-dedans. Là, il y a des étoiles filantes qui filent un peu trop, là. Fait que... Tiens. Tout sert, hein? Voilà. Je vais juste faire une petite retouche. Là, c'est de tenter le diable quasiment, là. Parce que je trouve que mon centre n'est pas tout à fait assez blanc. Tantôt, je le trouvais trop blanc. Juste pour y donner du mouvement. Fait que là, vous vous dessinez là-dessus un beau petit bonhomme dans le centre qui est en position lotus. Puis vous vous imaginez que tout va bien dans le monde. C'est ce qui fait ma petite toile méditation. Mais comme je vous disais, elle pourrait servir à mettre ne serait-ce qu'une fleur de lotus blanche, là, qu'on fera peut-être un jour si on décide de faire des fleurs. Alors, sur un fond... Je vais bouger juste un tout petit peu sur un fond que j'ai fait dans une autre vie. Ça, c'est un cadre du marché, un cadre du commerce que j'ai décidé qu'il y avait une toile dedans. Mais ben, c'est pas une toile, c'est un... c'est même pas du bois, là, c'est une espèce d'aspenite, mettons. Je sais pas le mot français, là. Alors, je m'assure de bien cacher mon cadre partout avec du ruban masqué. Puis, je me fais un fond. Fait qu'ici, j'ai utilisé deux sortes de jaune, un orangé, probablement mon terre de sienne que j'aime bien. Avec là, il y a juste une couleur de vert, mais on y en remettra un petit peu tantôt. Fait que je vais juste débarrasser ça ici. On va garder le blanc. Puis, on va se servir. Je vous propose de faire une petite toile enfantine, un peu
plus chambre d'enfant, là. Avec... pour être une thématique Petit Prince. Le Petit Prince. En y visant une planète quelque part, là. Là. On verra l'inspiration du moment. On va se prendre des jaunes, des rouges. On va se faire une petite maison, je pense, avec des arbres. Jaune, rouge, blanc. Tiens. Un tout petit peu de blanc. Ce vert-là. Voilà. Bon. Je vais essayer de nettoyer mon pinceau le plus possible. Donc, ça. Ça, avant de faire trop de gaffe, on va refermer ça. Tu vois, l'autre fois, je vous disais, là, c'est bon pour... Facile, un mois, là. Peut-être plus. Puis au pire, si vous en perdez, ben vous en aurez perdu moins que si vous aviez jeté le tube. Bon, on va se faire un petit plan. Disons qu'on se fait une petite maison ici. On va y aller simple, simple, simple. Hein. C'est vraiment une toute petite maison. Petite cheminée. Oh, on va se faire des arbres d'enfants avec des pommes dedans. Des arbres de... Comment ça s'appelle? La région en Italie, là, où ils ont des arbres qui ont l'air de n'importe quoi, sauf des arbres. Deux petits arbres là, puis ici, on verra. Bon. Petite maison blanche avec un toit rouge. Puis là, on ne fera pas nécessairement une maison très, très droite. On ne mettra pas l'équerre là-dessus, là. On va juste se faire une petite maison d'enfant. Ma maison, elle vient de grossir. Je ne sais pas si vous avez vu la ligne. Là. J'ai à côté dessus. Deux choses possibles. Ou bien, je prends un pinceau propre et je rapetisse la maison. Comme ça. Ou bien, je la laisse de même. Ou bien je prends un torchon avec de l'eau, si possible propre, ce qui commence à y avoir de moins en moins dans mon... Et je viens l'essuyer comme ça. Fait que là, on vient d'avoir trois solutions pour un seul problème. Bon, fait que ça va prendre... Tiens, la petite maison est faite. Je vais aller faire mes arbres. On se fait 1, 2, 3, 4 boules. Avec
3. Et 4 boules. Puis là, c'est les arbres de la Toscane que je cherchais tantôt, le nom de l'endroit. Souvent, on voit ça, c'est fait comme ça. On va venir démarquer l'autre tout de suite. Parce que l'autre est en arrière de celui-là. Fait que je viens mettre du foncé ici. Comme ça. Puis là, je vais venir le terminer. Comme ça. Faire un petit peu plus haut, parce qu'il a l'air d'être petit obèse. Tiens, petit obèse deviendra grand. Voilà. Avec ça, on laisse ça sécher, puis on revient ensuite. Il n'est pas assez rond. Tiens. Fait que là, vous voyez, en partant, là, c'est pas fini, là. Mais en partant, on voit le... lequel est en avant de l'autre. On fait ça comme ça. Bon, ça fait que, c'est ça, quelques petites retouches ici. Puis on va attaquer la pelouse et la toiture de la maison. Tiens, le temps que ça sèche. Bon, pendant qu'on est dans le... pas important. J'allais dire pendant qu'on est dans le vert, mais je vais prendre un plus grand pinceau. Là, j'ai essayé d'aller mettre du rouge là-dessus. Mais ça a l'air de bien aller. Puis là, c'est ça. C'est... quand on va faire des vraies maisons dans des vraies scènes, je vous montrerai comment faire pour que ce soit bien, bien droit. Là, c'est de la peinture un petit peu enfantine, là. Bon, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de peindre mon pignon. On va le faire en blanc aussi, j'imagine. Là, c'est tenter le diable, là, ce que je suis en train de faire là. De coller de la peinture blanche à côté de la peinture rouge pas sèche. J'aime vivre dangereusement. Hey. Voilà. Bon, je vais en profiter pour... Là, vous avez vu encore le geste pour être plus stable. Je mets ma main là, puis j'appuie mon autre main sur mon bras, fait que
c'est plus précis que d'essayer de faire des lignes droites, ou presque. Bon. Maintenant, on va aller jouer un peu ici. On va bien mettre ça un petit peu droit. Ah, c'est vrai. Ça va prendre des troncs, ces arbres-là, peut-être. Peut-être. Tiens. Fait que là, je vais faire ma petite colline qui descend. À peu près comme ça. On va bien se mettre du plus foncé dans le bas, toujours. Puis là, bien, étant donné que j'ai bien mis mon ruban masqué, bien, je vais pouvoir vraiment finir le côté ici. Bon, on va venir donner un petit peu de mouvement à cette colline-là. Ça. Puis du plus foncé ici. Bon, je vais aller dans ma réserve secrète de verre. C'est trop pratique, ça. Même pas besoin de chercher dans la boîte. Ah! C'est cet effet-là qui était recherché. Fait que là, on a du mouvement. On laisse sécher toujours parce que sinon, ça donne rien. Je vais le mettre là. Pas lui, lui. Je vais venir donner un autre petit coup de rouge sur ma toiture. Là, je viens appliquer un tout petit peu de brun que j'ai mélangé à ma peinture rouge pour faire l'espèce d'ombrage. Là, je vais venir... Je ne sais pas pourquoi je tiens tellement le chevalet. Je n'ai pas le bras appuyé dessus. Là, ça vient faire l'ombrage. On va y faire une petite cheminée parce qu'il y avait un défaut dans la toile. Là, ça va finir par être une grosse cheminée. C'est une cheminée double. C'est une petite maison avec deux poêles. Bon, ça a de l'allure. Fait qu'ici, on va venir faire la petite bordure du toit. Petite. Fait que je travaille sur la tranche du pinceau. Et voilà. Fait qu'on a une petite maison pour une petite toile d'enfant. On va venir retravailler notre arbre.
Fait qu'on passe durant Mississippi la semaine prochaine à la Toscane et à ci et à ça. C'est ça qui est beau, ça fait voyager la peinture aussi, ne serait-ce que dans votre tête. Bon, puis là, pour refaire l'ombrage, là, tu vois, c'était pas tout à fait sec encore, ça arrache. Ça arrache, ça arrache. Pour refaire l'ombrage du premier sur le deuxième, j'ai chargé mon pinceau de la peinture la plus pâle. Je vais venir prendre juste une petite goutte ici, de foncé. Je viens l'étendre comme ça, un peu comme quand on fait des piquets de clôture. Et là, je vais venir appliquer ça comme ça. Fait que ça fait un beau fondu tout de suite. Dans une étape. Tiens. Là. Je vais venir prendre un petit peu de jaune. On va venir se faire un petit peu de lumière. J'ai encore tombé sur de la mousseuse de peinture qui est transparente. Et je ne vous répéterai jamais assez d'en acheter de la opaque. Mais ça, on peut toujours... Moi, c'est pas pire, là. Je peux m'amuser à mettre... Oh non, je vais remettre du vert. On va mettre du vert dedans, du vert foncé. Tiens. Ouais, ça va. On va prendre là. J'ai mélangé du vert foncé opaque avec mon brun transparent. Tiens, ça va faire là. Ça va faire la job, comme dit l'autre. Yeah. Je vous dis tout le temps, entêtez-vous pas à essayer d'en remettre. Si ça décolle, ça sert à rien. Quand c'est pas sec, ça arrache. On en a la preuve. Bon. Alors, je vous disais que pour faire de la lumière sur du rouge, si on met du blanc, nécessairement, ça va faire du rose. Alors que moi, en mettant du jaune, on va avoir un orangé qui va faire quand même une belle lumière. Quand ça va être sec. Ah, quand même, OK. Voilà. Bon. Alors, on va juste travailler un petit peu notre pelouse, notre petite colline. Puis on va se faire une porte après la maison. Si jamais vous voyez des toiles que j'ai faites,
parce qu'il y en a des fois qui se promènent. Vous allez voir que c'est plutôt rare. Je mets des fenêtres, plein de fenêtres, mais il y a rarement des... Oui, il y a des portes, mais il n'y a pas de poignée de porte. mon petit côté sauvage, rébarbatif, qui s'affirme. Tiens. Là, je vais venir y appliquer délicatement. Pour faire les fenêtres et les portes dans des tout petits dans des tout petits le dirais-je formats comme ça, ils se vendent des petits pinceaux très courts, le poil est court, ils sont carrés, puis quand on... Le poil est très fourni aussi. Ce qui fait que quand on... Je vais rasseoir mes petits brins d'herbe, là. Quand on applique le pinceau sur la toile, il garde son format. J'en ai un, mais je ne pense pas l'avoir ici. Ce qui fait qu'on va se faire... On va se faire un petit... je vais me servir de ce que j'ai pour... pour les besoins de la cause. Fait que là, je vais me refaire un petit peu d'ombrage ici pour laisser paraître... laisser paraître mon mur. Je vais me la remettre ici. Jusqu'ici, là. Appliquer ça là. Comme ça. Tiens, on va se faire juste des petits cadres de châssis. Puis celui-là. C'est une toile vraiment très très, très simple pour une chambre d'enfant. Un jour, je vais vous faire quelque chose de plus détaillé, mais dans une heure, c'est un peu compliqué. D'autant plus que là, aujourd'hui, on a battu des records deux pour le prix d'un. Mais je vais venir me faire des petits foins fous. Il n'a pas été plus loin qu'à terre. Puis il n'y avait presque pas de peinture dessus. Tiens, je vais bien juste faire une espèce de petit bosquet ici, le long de la maison. Ça fait une plus belle finition. La porte mériterait encore un petit peu de rouge. Permettez-moi d'en rajouter juste un tout petit peu. Ça va tellement être plus joli.
beaucoup mieux. Fait qu'on a une petite maison. On va y rajouter une petite chose ici. On va faire noir en haut. Voilà. Alors, c'était un fond, colle chaude et méditation, et l'autre sur un fond qui avait déjà été fait. On en refera des fonds, comme je vous disais tantôt. Et sur ce, ben, je vous dis foncez. Amusez-vous bien, passez une belle semaine. Au plaisir. Bye.